dans le cadre de la convention qui a été signée devant Sa Majesté à Rabat, la CGM a entrepris des réflexions avec ses fédérations et ses régions. Et nous avons conclu que nous devons intervenir après l'obtention du crédit. Donc juste après l'obtention du crédit, c'est là où on intervient, où on donne la première commande à cette entreprise. C'est sûr, il y a le crédit, mais il y a le fonctionnement, comment cette société va vivre. Donc nous allons donner la première commande. Nous avons limité à 50 000 dirhams. Le but n'est pas de limiter, le but est juste de donner une première poussée à cette entreprise et un contact avec les entreprises de la CGM qui va lui permettre aussi de développer son business. Sachant qu'il y aura un coaching de la part des membres de la CGM. Donc à chaque fois que quelqu'un va passer une commande, il va rencontrer le responsable de cette entreprise. Ils vont parler de différentes... qui va pouvoir lui donner et lui adresser des conseils. Autre chose, nous avons prévu que cette commande sera sortie de 30% d'un compte et sera payée cash à la livraison. Donc tout ça, c'est des mesures qui sont prévues pour justement aider ces entreprises, après avoir pris leur crédit, de pouvoir fonctionner et pouvoir avancer sereinement dans leurs projets. Tous les secteurs, oui, bien sûr, tous les secteurs sont concernés. Tous ceux qui ont reçu le crédit bancaire. Donc à partir du moment où ils ont reçu un crédit bancaire, ils sont éligibles à pouvoir justement accès à notre plateforme qu'on est en train de mettre en place, qui va être active, j'espère, dans maximum 2 mois. Pour pouvoir justement répondre à tous ces besoins. Il y a 90 000 entreprises qui constituent notre réseau. Donc il y a la volonté, et il y a les moyens techniques que nous allons mettre en place et je pense que ça va fonctionner. Nous allons suivre, s'il faut la faire évoluer, on va la faire évoluer. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.